Well, for too long, the people of Iran have been oppressed by one of the most ruthless regimes in the world, which has got no regard whatsoever for the human rights of the Iranian people. And the Iranian people have suffered terribly over the years because of the theocratic regime of the mullahs. And it was hardly a surprise, therefore, that eventually the people of Iran, in very large numbers, decided to take to the streets to protest and to try and bring about change. Those desires to change the regime are not going to go away. And I hope very much indeed the international opinion will support the people of Iran in seeking to bring about change and seeking to have an Iran where the people of Iran can determine through free and fair elections who they want to govern them and how to be governed. The regime they have at the moment is totally dominated by the mullahs, by their thinking, which is going back hundreds and hundreds of years. They are no friends of the Iranian people. Well, I'm sure it gives a great deal of support and hope to the people in Iran for them to be able to see such a huge number of people up coming and showing their support for the Iranian opposition, for the Iranian resistance, must give a great deal of comfort to those people in Iran who want to bring about regime change. And I hope very much indeed that this year's gathering will be as successful as the ones previously, I'm sure it will be, and that there will be a large number of international speakers who will attend the occasion and give their support to the Iranian opposition and to the people of Iran. I'm Roberto Rambi, Italian senator, and this will be the second time in Paris for this very, very important appointment of people of Iran, a very popular appointment of all the people for democracy in Iran. That is something very important, democracy and also the human rights. And I invite every people who wants and every colleague to be there with all the Iranian people and their real representative, because we want democracy, we want human rights in Iran, and we believe that this is important for Iranian people, but it's very important for all the world. Thank you. Avant tout, je suis là pour dire toute ma solidarité à Madame Rajavi et à la lutte qu'elle conduit avec la résistance iranienne. Le 29 juin sera à Paris avec beaucoup de parlementaires pour donner notre courage à la résistance iranienne contre le régime totalitaire qui opprime le peuple iranien. Nous connaissons la tragédie que le peuple iranien vit. Beaucoup de personnes ont été arrêtées, exécutées, surtout dans le temps récent, lorsque beaucoup de villes, 140 villes en Iran, ont manifesté contre le régime. Nous regardons avec beaucoup d'intérêt aux 10 points de Mme Rajavi. 10 points très, très intéressants parce qu'il dit du futur qui attend le pays lorsqu'il sera libéré de l'oppression. Et je veux rappeler quelques-uns de ces points. Avant tout, il faut rendre au peuple de l'Iran la liberté, c'est-à-dire la possibilité des élections vraiment démocratiques qui aujourd'hui ne sont pas assurées. Surtout, nous regardons avec beaucoup d'intérêt à l'expérience que Madame Rajavi et le mouvement de Moujahidine du peuple de l'Iran veut affirmer dans ce pays. Un système pluraliste, la liberté des partis de l'assemblage, le respect des libertés individuelles.
Encore, l'abolition de la peine de mort et un complet respect des droits de l'homme qui aujourd'hui sont niés pour le peuple de ces pays. Encore, il s'agit d'une perspective évidemment révolutionnaire pour ce pays, la possibilité d'une égalité vraie parmi les sexes en toutes les sphères de la vie politique, sociale, civile, économique. Et j'espère que beaucoup de camarades, d'hommes et de femmes, de mon parti et des autres partis italiens, ils peuvent être présents à Paris pour témoigner de notre volonté d'aider la résistance iranienne et d'aider la tâche et l'engagement que Mme Rajavi conduit depuis beaucoup d'années.